Salut les potos, ça va ou quoi? La forme? Moi la banane. On est là, on se retrouve pour une petite vidéo Red Dead. Donc vous voyez, c'est pas une activité GTA 5 ni rien, c'est une astuce Red Dead. Je vais vous faire pas mal de petites vidéos sur beaucoup d'astuces dans Red Dead Redemption. Donc cette vidéo là, pour commencer le chapitre, ça va être comment rentrer dans le fort les potos. Donc vous voyez, dans ce fort là bas je vais vous faire voir la jumelle. Dans ce fort là, on ne peut pas rentrer. Les portes sont fermées, je ne sais pas s'il y a des prisonniers dedans ou ce n'est que des shérifs. Vous voyez, les gardes sont déjà là bas On ne peut pas rentrer, tout est fermé, tout est clôturé, on ne peut même pas passer par-dessus ni rien car ce n'est pas du tout à hauteur d'homme. Donc du coup ils l'ont vraiment bien bloqué. J'ai pas fait toutes les missions, donc je ne sais pas si dans une deuxième mission on peut rentrer dedans. Mais là je vais vous faire voir le contour du fort et une technique pour rentrer dans le fort et faire votre carnage ou faire plaisir. Donc vous voyez, là j'ai pris mon cheval. Pour rentrer dans le fort, l'astuce ça va être tout simple, c'est de prendre une carriole. Vous prenez une carriole, ils appellent ça une carriole ou une diligence, vous allez pouvoir monter sur le toit. Regardez, à peine j'arrive près du truc, près du fort, il commence déjà à me dire foutez-moi le camp. Je vais calmer le jeu. On peut pas rentrer hein. J'ai essayé de mettre de la dynamite dans la porte, tout, on peut pas du tout rentrer. Je vais vous faire voir. Je vous fais tout le tour. Moi souvent je rentre par derrière les amis. Juste là. Celui-ci c'est le fort Wallace. Juste là souvent. Je mets ma carriole juste ici. Vous voyez, une petite pente. Et hop, je saute, je fais carré, ça arrive à monter. Là en cheval on peut pas du tout, ce n'est vraiment pas du tout à hauteur d'homme. Ah non, on ne peut pas du tout. Donc je vous fais tout le petit tour, je vous fais voir la localisation pour que vous puissiez aller le faire vous-même et voir où est-ce que ça se trouve. Je prends une petite carriole, alias une diligence, je vous fais voir un petit peu comment on rentre et je fais un petit carnage dedans. Donc vous avez vu, quand on fait vraiment tout le tour, on ne peut pas du tout monter. On fait tout le tour, on ne peut pas du tout monter. C'est le fort Wallace, les poteaux. On peut pas du tout monter et les gardes vous tirent directement de là. Je vous fais voir la localisation. Comme ça vous allez voir que moi je n'ai vraiment pas fait beaucoup d'histoire. Localisation tout bête hein. Vous allez là-haut, Cumberland Forest, et hop, Fort Wallace les potos. J'ai vu, il y avait 2-3 autres forts, mais ils étaient directement ouverts. Lui il est vraiment fermé, donc c'est pour ça que je vous en ai fait une astuce. Donc sur ce, je vais prendre ma carriole et je vous la mets, enfin je la mets directement à côté du fort. Et je vous fais voir l'astuce. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Bon là, du coup les amis, je vous ai fait un petit montage. Je me suis mis directement à l'endroit. Vous avez vu, vous mettez votre petit truc là, votre carriole. Il faut vraiment faire vite parce que les tous les gardes et tout, ils vous tirent dessus. Donc ça fait que votre cheval, il est un petit peu en panique. Et après, vous êtes dans le fort les frérots. J'essaierai de faire une petite vidéo où je prends vraiment tout ce qui est blinde de bouffe et tout. Comme ça, je serai tranquillant. Pour essayer de survivre, parce que là vous avez vu, j'ai été vraiment juste pour faire voir comment ça se passe. Après vous allez dedans, vous pouvez faire des carnages. Regardez, hop, j'essaie de faire un petit peu le campement. Mes niveaux vie, je suis vraiment à sec. Hop. Oh là là là, il y a du monde par contre là-dedans, il y a du monde les frères. J'arrive à survivre plus d'une minute, c'est propre. Parce que vous avez vu, j'ai pas pris de vie ni rien. Je me suis pas préparé ni rien avant. Oh là 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 là, le carnage. J'essaie de vraiment faire un carnage pour vous faire une petite visite du camp. Enfin du fort. Parce qu'il faut savoir que c'est un fort. Je sais pas si ça a des prisonniers dedans. Comme ça, on va en profiter pour faire une petite visite. Je vais en profiter aussi pour remettre mon bonhomme à fond. Je sais pas si vous entendez bien ma voix, les frérots. Car j'ai pas fait tous les réglages, j'ai pas vérifié les réglages. Après, si vous avez vu que ces petites vidéos Red Dead, d'habitude je fais beaucoup de vidéos GTA, mais j'adore faire tous les jeux Rockstar. Donc vous me dites si vous voulez que je fasse quelques petites vidéos sur Red Dead, et je vais voir quelques petites astuces pour rentrer dans des endroits secrets, des fantômes et tout. Car je sais qu'il reste des fantômes, il y a un train fantôme, il y a plein d'easter eggs encore. Je vais essayer un truc les frérots. Je vais essayer un truc parce que là ils sont trop remplis. C'est mort, je vais mourir. Ah là 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 là. Bah voilà les amis, je vais essayer de voir si je vous refais une petite série, si je vous refais une petite wanted, comme j'appelle ça, dans le milieu où je me remets dans le fort et tout. Et je vous fais visiter, mais je prendrai beaucoup plus de vie. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous plaît. Marquez-moi hashtag Red Dead si vous voulez que je fasse beaucoup plus de petites astuces sur Red Dead Redemption. Tchuss tchuss la famille.